Je pense que il ne suffit. Enfin, être des millions, c'est bien. Je dirais même que c'est mieux. Pour autant, c'est pas une nécessité. Pour moi, ce qui est primordial, c'est d'être des hommes, des êtres humains, des femmes de conviction. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, à être déterminés, qu'ils sont conscients des enjeux, qu'ils sont conscients du fait qu'on a bien plus à gagner qu'à perdre. Et que toute bribe de confort que l'on puisse avoir n'est qu'illusoire. Et qu'en réalité, le vrai confort, on l'aura le jour où on aura décidé de dissoudre ce système mortifère et écocidaire qu'est le capitalisme. Enfin, je vais être très clair, en fait, sur la méthodologie. Moi, je pense que à chaque fois que des victoires ont été obtenues dans notre histoire, c'est quand les gens ont été dans une logique d'offensive, de conquête. C'est pas quand un Martinez ou un Berger dit « Moi, je suis le partenaire social du gouvernement ». Non, mais attendez, depuis quand on se considère partenaire de quelqu'un qui crève les yeux à des militants? Non, mais... Elle est drôle celle-ci, non? Et donc non, moi je pense que voilà, il faut c'est le temps. Et je pense que ce qui paie, c'est la résistance radicale. Il y a un homme que j'ai beaucoup lu qui s'appelle Stéphane Hessel, qui était un grand résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Et il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, mais sincèrement, ne croyez pas, ne faites pas l'erreur de croire que la résistance était l'ensemble des Français. Seuls 1 à 2% maximum des Français étaient dans une résistance active. D'où le « il ne sert guère d'être des millions, il suffit d'avoir des convictions et d'être prêt à aller au front en quelque sorte ». Ça c'est concernant la méthode. Mais juste pour revenir aux dérives liberticides, autoritaires, aux violences policières d'État… Bah, lancer des pavés vers le ciel et construire des barricades. On doit faire quoi? et aller du côté d'Élysée. Bon, enfin bon, on pourrait disserter pendant quelques heures en la matière, mais moi ce que je veux dire, juste pour revenir au thème et au sujet sur les dérives, il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner là tous les quatre, c'est les dérives liberticides. Et concernant aussi la question qui a été posée sur la démocratie, j'aimerais juste m'étendre quelques secondes. Effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. La France n'a jamais été une démocratie. Nous vivons dans un régime pseudo-représentatif, d'ailleurs, qui ne l'est même pas. Mais quand bien même il le serait, un régime représentatif n'est pas une démocratie en tant que telle. D'un côté, on élit des gens qui votent à notre place, et de l'autre, on vote directement. Bon, il y a une vraie distinction en la matière. Donc, concernant la démocratie, nous ne sommes pas en démocratie, c'est évident. Concernant la nature de notre régime, c'est effectivement un régime autoritaire. Pourquoi? Et on l'a vu durant les Gilets jaunes. Il ne faut pas oublier que durant les Gilets jaunes, il y a tout un tas d'arrêtés qui ont été pris pour arrêter du jour au lendemain, pour interdire des manifestations. C'est une démocratie, ça. On interdit des périmètres entiers, la moitié de la capitale, les trois quarts de la capitale, pas de manif, hein, surtout pas à l'ouest, hein, dans les quartiers bourgeois, aller vers Gare du Nord et chez les prolos, ça les emmerdera pas. Donc voilà, on interdit les manifestations, bon vouloir d'un préfet, ça c'est la démocratie, pas de souci, ça plaît à tout le monde. Les médias appartiennent à des milliardaires qui n'ont pas absolument pas les intérêts de majoritaires dans le pays, et donc ils véhiculent une propagande. Il faut nommer un chat un chat. Monsieur Bolloré, une propagande d'extrême droite. Monsieur Macron, une propagande BFM TV, pardon. Vous voyez, la frontière est tellement mince et poreuse, une propagande libérale, et etc. etc. Et puis voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et puis moi, j'appelle pas une démocratie. On l'a vu avec la réforme des retraites. Le fait est que on fasse passer par la force une réforme des retraites qui est rejetée par 95% voire plus des actifs à coup de LBD 40 et de 49.3. C'est pas ça la démocratie. Bon, enfin, bon, il faudrait peut-être acheter un dictionnaire à tous les éditorialistes des plateaux télé, même si en réalité, je pense pas qu'ils ne soient dupes. Ils essaient de vous duper, c'est différent. Donc c'est ce que je voulais dire. Bon, malgré tout. Il faut rester debout, il ne faut rien lâcher, il faut persévérer, il faut se nourrir de ce type d'échange. Et moi, je pense que ces initiatives, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'on peut discuter, parce qu'on peut échanger, parce qu'on peut développer notre imaginaire, parce qu'on peut renforcer notre conviction que ce monde-là, il est pourri, qu'on n'a rien à attendre de ce monde et qu'un monde meilleur est possible, souhaitable et nécessaire. Donc ce genre d'échange, il est nécessaire, il est possible. Et moi, je regrette qu'on soit contre-convaincus. Il est nécessaire d'élargir à celles et ceux qui ne sont pas suffisamment convaincus, voire qui ignorent les enjeux. Donc on a encore beaucoup de travail. Mais il y a une dernière chose que je veux vous dire, et après je vais m'arrêter là et on va vous laisser prendre la parole, mes chers amis. C'est le fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment acter le fait que la lutte, elle est vitale. Je pèse mes mots. C'est pas juste une histoire de plaisir, c'est une histoire de vitalité. C'est-à-dire qu'à l'heure où la planète brûle, littéralement. On le voit au Canada, on l'a vu en Amazonie, à l'heure où dans des capitales, dans des mégalopoles partout dans le monde, on est obligé de respirer, je fais référence à la Chine, de payer pour respirer de l'air sain, à l'heure où des milliers d'espèces disparaissent, à l'heure où, et vous le voyez en sortant dehors, pour les plus anciens d'entre nous, la biosphère est de moins en moins importante, on entend de moins en moins d'oiseaux, ça paraît anecdotique, mais c'est quand même un signal qui est assez grave. Enfin, moi, je suis jeune et je suis inquiet vraiment de l'état délétère du monde, et c'est vraiment une question de vie ou de mort en la matière, sur la question écologique, mais aussi sur la question sociale. À l'heure où la misère prolifère, enfin, moi je sais que ma grand-mère, j'ai perdu il y a quelques mois, enfin maintenant un peu plus de 2 ans,
qui, dans un pays aussi riche que le nôtre, où il n'y a jamais eu autant d'argent, il n'y a jamais eu autant de milliards, il y a tellement d'argent que s'il fallait l'imprimer au format papier, il n'y aurait pas suffisamment de place, et du moins pas suffisamment d'arbres. Il y a des personnes qui crèvent de faim dans notre pays. Et je trouve ça juste choquant. C'est-à-dire que pour cette raison écologique, pour ces raisons sociales, pour cette absence de démocratie et ces dérives autoritaires, voire totalitaires, eh bien, il est plus que nécessaire de prendre conscience que la lutte, elle est vitale, et de l'acter, et d'agir en conséquence en termes de méthodologie. Voilà. Bravo. Bonsoir, Gislain. Je les joue depuis la première heure. Je voulais revenir sur ce que disait David et Ricci dans la construction d'une force d'autodéfense populaire qui mettrait pas à attaquer les forces de l'ordre, mais à se défendre quand elles sont attaquées. Ça, moi, par rapport à tout ce qui a été dit globalement avec Philippe et d'autres, je suis d'accord, on a constaté les choses, mais j'ai constaté moi, une chose aussi. Il y a eu 14 manifestations pour les retraites et 14 initiées par les syndicats. J'ai pu en faire que 13. C'est ça, c'est pas le problème. Mais moi, il y a une chose qui m'a choqué. J'ai pas vu les gens en colère. Moi, j'étais souvent devant, alors je vois des gens qu'on appelait qui en noir, qu'on appelait les Black Blocs. Alors ça chauffait, 300, 400, 1000 Black Blocs. Ok, bon, je m'étendrai pas là-dessus. Mais des gens en colère, le peuple en colère qui, monsieur, tout le monde qui commence à faire à montrer les dents comme ça, et il n'est pas forcément ancien de champion de France, comme Christophe, ou qui a pas un gabarit de 100 kilos, mais quelqu'un qui peut me pousser un CRS, parce que là, il en a marre. Là, il a dit stop, ça va plus, là, voilà. Et là, moi, j'ai pas vu ça, hein. Ça m'a inquiété, j'ai pas vu des gens en colère. Donc, des gens qui ont été éduqués à respecter la démocratie, à respecter, même s'il y a quelques poubelles de brûler, tout ça, bon, ça fait marcher le commerce, c'est bien, mais les gens, ils ont quand même pas tout coulé, tout cassé, ils ont une éducation, ils ont. Mais contre Macron, ça marche pas. Ça marchera jamais. Ce mec-là, il a pas de cœur, il a été mis en place par le système, il a été formé, il a aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Il est là pour faire les choses. Là, les retraites, c'est là qu'on pouvait espérer peut-être l'arrêter. Pour l'instant, c'est perdu. Chaque semaine, il nous sort quelque chose. Alors, c'est les agréments d'anticorps qui vont sauter. C'est la Ligue des droits de l'homme, plus de subventions. C'est la sécurité sociale qui va et qui nous remboursera 10% de moins sur les médicaments dentaires qui va passer aux mutuelles il y a 3 jours. Et les mutuelles disent bah, ok, c'est bon, je. Mais les gens, ils vont payer. C'est un déferlement depuis 15 jours. Si vous êtes intéressé un petit peu, vous regardez. Moi, c'est ahurissant, quoi. Et là, aujourd'hui, bon, on a les deux solutions. La grève générale qui paralyse le pays, c'est la moins dangereuse. Il n'y a pas de coup de matraque, il n'y a pas d'FPD 40. Mais on est structuré d'une telle façon, ce qui était possible en 68, ça n'est plus aujourd'hui. Les gens, ils ont des crédits, des choses comme ça. Au bout d'une semaine, il n'y a même plus de pâtes à manger dans les certaines personnes. Et ça ne tient pas. On a essayé avec R13, il y a eu des embryons, mais ça ne tient pas. La deuxième solution, c'est de monter à l'Élysée, de pousser les flics. Pas pour le plaisir de casser les flics. Moi, ils m'ont rien fait. Hein. J'ai commencé un peu à les prendre avec le temps et voir les copains tomber, machin et tout. Tout ce que ça vous a évoqué, j'ai commencé à avoir un petit peu à me radicaliser dans ma tête. Mais aujourd'hui, il faut que les gens soient en colère. Et le deuxième problème qui est important, alors je ne dis pas des choses qui sont très positives, mais faut. On peut toujours se dire, ouais, on va y arriver, les gars, il faut rester là, ouais, c'est bien, moi aussi, je suis motivé. Enfin, je suis un réaliste, optimiste, mais je suis réaliste. Et le problème, c'est quand on va à l'Élysée, on fait quoi, là? Parce que moi, j'ai vu quand on était à Mignon, gilets jaunes, j'ai vu quand on discutait les ronds. Pour arriver à se mettre d'accord, du jour au lendemain, on a renversé le gouvernement, avec la France à faire tourner, je veux dire qu'on n'est pas prêt d'y arriver, hein. Parce que déjà, quand je vois dans les ronds-points, l'autre qui n'est pas d'accord, après la politique, elle a fini par rentrer dans les gilets jaunes. Toi, t'es des filles, toi, t'es de... Il y avait tout dans les gilets jaunes, on ne pensait pas plus au début. Tu étais avec un mec du RN, machin, t'en fous. On avait un mini pas du RN, moi. Non, mais ça n'a pas. C'est mal tombé. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Donc, ça, c'est des problèmes. Parce que Macron, on peut le mettre dehors. Il y en a plein. Le système, il va en former plein des Macron. Voilà, donc, et comment, qu'est-ce qu'on fait à l'Élysée? Il nous faut un truc politique derrière. Oui.
Voilà. C'est très pertinent. Je vais peut-être commencer, puis après vous laissez le micro si vous voulez ajouter quelque chose. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première chose que tu as évoquée, c'est la léthargie qui est hyper inquiétante et l'inertie des gens. Pour reformuler la question, comment se fait-il que les gens soient dociles, majoritairement subissent, puis lorsqu'ils décident de se mobiliser, en réalité, ne sont pas forcément suffisamment actifs, disons, pour le dire ainsi. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une racine à ce problème-là, comme à tous les problèmes, et ça vient du fait qu'on a inculqué la soumission aux gens. Vous savez, la Boétie, Étienne de la Boétie, à 17 ans, il écrit le contrat, le discours de la servitude volontaire, et il disait ça, en fait, c'est un manuel que tous les politiciens qui nous gouvernent ont lu, et il disait en quelque sorte que, et d'ailleurs, en entrant dans la salle, j'ai vu une citation d'Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, et qui disait la meilleure des dictatures, en gros, pour le paraphraser, c'est celle où les gens consentent à l'oppression. Et en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les gens soient attachés à cette piètre condition. On leur dit, mais ne vous inquiétez pas, sincèrement, vous n'êtes pas en Corée du Nord, n'allez pas vous plaindre. On peut se permettre quelques petites régressions, puisque c'est pire ailleurs. Donc il y a cette logique du pire ailleurs, d'une part. Il y a aussi la contrainte, un peu, si je puis dire, financière, dans la mesure où on a fait en sorte de rendre impossible, ou du moins de complexifier toute démarche émancipatrice, avec le biais des crédits qui vont à la consommation, qui se sont multipliés, etc., avec le fait qu'il y ait une surveillance de masse qui s'installe. Aujourd'hui, il y a quand même l'activation dernièrement qui a été votée au Sénat, dans le cadre de la loi de programmation de la justice, de l'activation de la caméra et du micro du téléphone portable à distance, sans même faire appel directement par le procureur, donc par l'exécutif indirectement. Donc voilà, c'est juste gravissime. Je lisais aussi dans le jour dans l'UMAC à Angers, ils vont mettre en place des dispositifs d'écoute sonore dans les rues. C'est un peu Big Brother is watching you, et c'est-à-dire que c'est assez inquiétant. Et moi, je pense que c'est justement parce que les dérives se font de plus en plus grandes qu'il est nécessaire d'agir avec urgence. Alors l'urgence n'empêche pas une certaine réflexion. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le deuxième point, tu évoquais qu'est-ce qu'on fait à l'Élysée. Moi, j'ai un programme qui me paraît simple et je pense qu'on peut tous y consentir ici. C'est bien beau d'aller à l'Élysée pour l'Élysée, c'est un symbole, c'est important, mais pour moi, ce n'est qu'une première étape. Ensuite, il faut un programme politique, un projet politique. Moi, je suis partisan le jour où on prend le pouvoir, déjà de détruire ce pouvoir maudit, comme le disait Louise Michel, mais pas pour rien faire, pour faire quelque chose qui correspond à notre histoire révolutionnaire. Je suis étudiant en histoire, en première année d'histoire. Quel est-il le projet pour moi? La meilleure solution, peut-être que je me trompe et vous me le direz, c'est une fois là-bas, décréter la convocation d'une assemblée constituante. Pour moi, c'est la meilleure des issues. C'est on décrète la convocation d'une assemblée constituante, on définit les modalités, on fait en sorte que les femmes, les hommes du pays soient élus pour réécrire les règles du jeu et pour faire en sorte qu'on soit dans un vrai système de contrôle permanent où on impose des choses comme le mandat impératif, le contrôle de toute bribe de pouvoir, une véritable séparation des pouvoirs telle en parlait Montesquieu, etc., etc. Donc moi, je pense que les idées, elles existent. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de penseurs qui ont écrit des dizaines, voire des centaines de bouquins en la matière. On peut s'en inspirer. Une assemblée constituante, moi, je pense que les gens seront la propre clé, la propre solution à leurs problèmes. Et donc, je pense que l'assemblée constituante peut effectivement être un projet crédible.